Moi je sais qui a fait ça. On est en train de retomber dans l'obscurité. Bienvenue sur Mag. Aujourd'hui, on est ravi de vous parler d'ogre d'Arnaud Malherbe qu'on a eu l'occasion de voir à Gérard May. Arnaud Malherbe, c'est quelqu'un dont c'est un réalisateur qui a eu un parcours un petit peu original puisqu'il a autant été journaliste à l'Express également pour Ouest-France euh, qu'il a travaillé pour la BD en tant que scénariste et il était également sur la série Moloch que vous aviez peut-être vu sur Arte. Il s'essaye de nouveau au fantastique ici euh, avec une histoire un peu particulière qui va revisiter euh, plusieurs mythes. Le mythe de l'ogre, mangeur d'enfants, euh, le mythe de Pierre et le loup, donc avec l'enfant euh, qui va raconter des histoires, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais également le mythe du petit poussé, mais cette fois-ci avec une version plus combative. Donc Anna Girardeau joue le rôle de Chloé, une jeune institutrice qui va venir s'installer en campagne avec son fils, lui-même atteint de surdité. Alors c'est un point qui est assez important parce qu'il est beaucoup mis en avant dans le film, c'est-à-dire que l'enfant, euh, Jules, est régulièrement en train de s'isoler du monde extérieur, donc euh, quand ça l'arrange, il éteint son sonotone, donc on entend un petit peu comme euh, si on était sous acouphène, et euh, ça va donner un petit peu un cachet euh, particulier au film, et une petite tension euh, qui va s'installer. Alors, dans cette campagne, euh, il y a quelque chose d'étrange qui se passe, et on le comprend euh, assez vite lorsqu'ils emménagent, puisqu'en fait des chasseurs traînent autour de la maison et ils ont le regard euh, un peu inquiet, et, euh, ils sont euh, ils ont l'air d'être perturbés, parce qu'en fait autour de la maison, il euh, y a plusieurs veaux qui ont été retrouvés euh, tués, décharnés, euh, il n'en restait pas grand chose. Et du coup, ça les inquiète, ils ne savent pas si c'est un loup euh, ou autre chose. Alors, euh, Jules, quand il va être dans sa chambre, donc dans l'obscurité, la nuit, il va voir petit à petit euh, cette figure de l'ogre apparaître, et on va s'interroger euh, sur le fait est-ce que c'est réel, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce qu'il le fantasme. Et il va y avoir une relation qui va se créer, une espèce de relation un peu tripartite, entre la mère, l'enfant et un troisième personnage qu'on n'énoncera pas ici. Et cette relation va être un peu particulière, parce qu'il y a un peu un côté Home Invasion. Ce, ce troisième personnage va s'installer dans leur vie. Et Jules, lui, ben, va, va relater certains faits à sa mère sur en fait, les choses qu'il voit la nuit. Et c'est peut-être le point le plus réussi d'Ogre, c'est qu'il arrive a convoqué un peu deux mondes parfaitement hermétiques, celui des adultes d'une part et celui de l'enfance. On a tous été euh, petits euh, témoins, je ne sais pas, d'histoires un peu étranges. Je sais pas, peu, euh, je sais pas moi, quand j'étais petit, euh, je voyais peut-être un lapin passer par la fenêtre, j'en avais parlé, enfin, un lapin géant, des choses comme ça. Évidemment, personne ne me croyait. Et donc là, on retrouve aussi cette idée, c'est quand l'enfant nous raconte quelque chose d'effet graves. finalement, je sais, un ogre veut venir vous dévorer, on, on a vu pire, on a, on a vu mieux également. Eh est-ce qu'on doit croire l'enfant ou au contraire, est-ce qu'on doit taire euh, ses, son imagination qui peut-être euh, n'est pas si euh, fantaisiste euh, que ça Alors la réalisation est de qualité euh, pour ce premier long-métrage d'Arnaud Malherbe. On a des plans euh, euh, très serrés, on, on a des plans qui rappellent un peu les génériques de Dexter. Euh, vous savez, ce, ce tueur un peu psychopathe là qui... Euh, qui, lors du générique, on le voyait, couper des steaks, on avait des gros plans sur la viande, des choses comme ça. Donc, on a beaucoup de plans comme ça sur des enfants qui mangent, sur des animaux, sur des regards qu'il va y avoir entre l'enfant qui, qui, qui fait preuve d'une grande sensibilité et les autres personnages qu'on a tout au long du film. Alors, le film marche très bien les quasi 4-5e du temps, peut-être sans spoiler évidemment. Euh, qu'on reste un peu euh, sur sa fin, sans jeu de mots, euh, à l'issue du film, puisqu'il y a une fin un peu plus conventionnelle, peut-être un peu trop optimiste euh, pour ce qu'on pouvait attendre euh, comme climax final. Ogre, euh, premier film d'Arnaud Malherbe, on vous le recommande, c'est euh, vraiment le monde paysan euh, qui s'installe, euh, c'est la ruralité, c'est du coup propice au conte, au folklore. Tout ça, on retrouve un peu aussi l'idée du mythe du vampire avec ce troisième personnage qui s'installera dans la maison. Et on vous recommande du coup d'aller en salle en avril, quand il sortira. D'ici là, on vous recommande également l'interview qu'on a eue avec le réalisateur à Gérard. Mais vous la verrez apparaître en fin de vidéo. Merci et à bientôt sur MAG